Stop. Lecture. Il y a l'air d'y avoir du son. Il y a du son. Contient des images de nature sauvage et animale. Recommandé aux personnes sensibles. C'est d'enfer ce jeu. Avec les effets d'ombre, c'est de la vraie 3D. Les gens vont croire que c'est sur 64 bits, tu vas voir. Pourquoi ils mangent des tonnes de bananes? T'as intérêt à être rapide, hein. Moi, je te dis, les gens vont être sacrément surpris par ces images. Ah ouais, c'est sûr. Oh. Ils vont déjà avoir envie de vomir avec eux. Oh la vache. Putain, c'est vraiment fait pour les épileptiques. Ouais. Oh, ça va trop vite pour moi. Ah, trop de qualité visuelle. Ouais, bon, wow. Pas, j'ai envie de vomir. Dévoilé, on dévoile donc. Et aujourd'hui, nous allons à Redmond, Washington, pour découvrir en exclusivité le plus grand jeu de Nintendo de tous les temps. Donkey Kong Country. On va bien s'éclater. Le son est dégueulasse. Et voilà Nintendo of America, la forteresse. Allons voir ce ouais, que Donkey Kong habillé Country comme un... a dans les tripes. Ah, il y a des bananes par terre. Donkey Kong, il faut dire. Chargé du développement du jeu. Salut, ça va? C'est un singe, ils ont foutu des bananes par terre. C'est toutes les lettres qu'on reçoit de nos fans. On collectionne les meilleurs et on les affiche sur les murs. Alors Ken... Tu veux une banane? Ken, il s'appelle. Non, merci. Ken, je veux le scooter de Donkey Kong Country. Putain, ils ont mis tous les filtres dégueulasses possibles sur l'image. Tu peux rien me cacher. À moi, ton vieux pote. Allez. Est-ce que tout ça, c'est un problème derrière pour toi, gros? Une cabane? Faut pas grimper, j'espère. Là, voilà. Mot de passe. Dédé. Mot de passe. Dédé. Yeah. N'importe quoi. Ah, c'est mauvais, hein. Après avoir dit mille fois, Didi, nous y sommes enfin. On va aller dire faudrait faire un remix de ça, tiens, en version film d'horreur. Tiens, un rec. Comment tu vas? Pas mal. La seule chose qu'on ait appris pour l'instant, c'est le mot de passe pour rentrer dans la cabane. Raconte-nous le scénario trop dégueulasse, toutes les 10 secondes. Ah mais il a encore changé. Le scénario, il faut parler à Dan Housel, le voilà. Je vais faire un malaise. Putain, ils ont des bananes et l'écran est rose. C'est chaud. Le scénario du jeu. On a pu créer une... Le réalisateur a été pro dans le film X à la base. Ah putain, ça a été monté. Il n'aime plus que la musique d'ascenseur. C'est monté par un enfant chinois, là, c'est pas possible. Il aimerait bien être un grand gorille. Diddy Kong, c'est le copain super cool de Donkey Kong. Il le suit partout, il aimerait bien lui ressembler. Ouais, c'est pas son tout fils, commence avec Diddy qui surveille la réserve de bananes en pleine jungle. Toujours cru que c'était son gosse, moi. La nuit tombe et les Kremlings en profitent pour enfermer Diddy dans un tonneau. Les Kremlings? Ah oui, d'accord. Ah ouais, les Kremlings, c'est une tribu de reptiles maléfiques. Ils infestent l'île et ils sont jaloux de la réserve de bananes. Mais non, c'est un film de Spielberg. Ah. Moi aussi, je serais jaloux de la réserve de bananes. Ah ouais, comme nous tous. Oh, dans un tonneau et ils sont enfuis avec le butin. Donkey Kong se réveille le lendemain et. Et il n'y a plus de bananes. Il part aussitôt à la recherche de son copain et de ses bananes. Waouh, c'est un super scénar, ça a l'air de reparler vite son pote, mais veut récupérer ses bananes. Il y a donc les crânes. Il y a surtout un filtre dégueulasse. On dirait, en fait, on dirait un exposé de 6ème. Et puis ils sont nombreux, vous allez voir. Et là, il est parti récupérer ses bananes. Il a pris un sacré coup dur. Il se prend des coups de trick sur la gueule par son papy. Et puis il y a Funky Kong, le surfeur californien. Puis il joue à Donkey Kong, visiblement, ça donne envie de bouffer des bananes. Il vous fait voyager sur Air Funky entre toutes les différentes parties du jeu. Et puis on a aussi Candy Kong, c'est la crème de Donkey Kong. Ok, tout ça a l'air sympa, mais si on passait un petit peu au jeu maintenant. Je sais pas si le reportage il fait du bien au jeu. Volonté, en fait. On y va. J'ai plus envie de jouer. Voulais jouer avant, mais là, maintenant, voici Harmon. Par contre, c'est bizarre parce que ça s'appelle Donkey Kong Country. Moi, j'ai jamais vu ni aucun bon jeu, ni Revolver, ni rien. Il n'y a pas de cowboy, il y a que dans Donkey Kong. C'est plus tellement. Ces gars-là jouent 100 à 200 fois sur chaque niveau. Pourquoi ils ont choisi de mettre un framerate de 1 image par seconde? Il y a 8 microprocesseurs de 4 mégas chacun, ce qui en fait un 32 mégas. Il y en a 8 à 4 mégas, attention. Ces 32 mégas nous permettent une grande variété de mouvements et de décors. Wow, putain. Il y a pour des l'époque, niveaux c'était révolutionnaire, mais aujourd'hui, des niveaux c'est dans la jungle, dans des pyramides, dans des grottes, puis il y a aussi des entrepôts. En fait, il y a plein d'endroits bizarres sur ces c'est un joli jeu, mais le reportage est tellement laid que ça donne envie de vomir. Et puis on a plein de personnages sympas. Pourquoi ils font des ralentis, on se renvoie. Il y a Rambi, le rhinocéros, qui éclate les murs pour trouver les passages secrets. Il y a Winky la grenouille, alors celui-là il est top, il saute plus haut que tout le monde.
Et puis il y a Expresso l'autruche, avec ses ailes ridicules pour voler au-dessus de l'écran. Ah, il admet que c'est ridicule. Il y a plein d'autres effets spéciaux. Dans la neige, 12 nuances de neige qui simulent une vraie tempête. Wow. Et puis la forêt avec ses scrolling parallax qui donne un effet de 3D incroyable. Mais comment ce projet est-il né? En rencontrant mes amis de Rare. Rare et Nintendo ont travaillé ensemble pendant des années. Tim Stamper, leur boss créatif, voulait faire un jeu avec des personnages 3D calculés en temps réel par ordinateur. Voilà, c'était déjà à ce moment-là une boîte. Allô, Tim, je me demandais comment les as-tu rendus aussi réalistes? Mais il sort du lycée, lui, c'est pas possible autrement. Je pense, ouais. En tout cas, ça a l'air vachement impartial, vachement objectif, quoi. On s'en fait pas du tout payé par derrière. Ni par une telle idée. Ça vous fait quoi d'être des protos? Des super ordinateurs. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ouais, au menu du jour, on a soupe à la banane, banane frites ou sandwich à la banane. Il y a la voix de l'américain dans tous les reportages. C'est bien doublé. Toi, t'es Georges... La voix de l'américain dans tous les reportages. C'est criminel de porter sa ceinture aussi haut. Vous aider à comprendre le jeu un peu mieux. Quoi, en dessous des aisselles? C'est un collier. Sur une machine qui s'appelle Challenge. C'est un super ordinateur de pointe. Contre la bande d'arcade de Mario Kart. Ouais. C'est un jeu avec une chemise de Black. Non, pas du tout. Quand le jeu a été créé sur Challenge, il a été spécialement conçu pour la Super Nintendo. Tu auras une carte hipster avant l'heure, le gars. Pourquoi il y a un filtre de merde là? Non, c'est vraiment ses sourcils. Comment on fait ces effets? J'aime bien mettre des filtres dégueulasses. Ah, ça c'est possible sur la Challenge. D'abord, on a un squelette en 3D. Pour ça, il n'y a pas de filtre sur les modélisations 3D, c'est bien ça. Donc là, c'est pas un squelette, c'est n'importe quoi. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire A? C'est M. Se dire arrête tes conneries. Advanced Computer Modeling. Ça te permet de créer de la 3D réelle. Ça donne l'impression d'y être. C'est les machines sur lesquelles ont été créés les effets spéciaux de Terminator 2, Jurassic Park et True Lies. Ouais, Terminator 2. Après un an et demi de développement, ils ont même pas de ce masque. Alors que bon, je sais pas. On va aller voir les gars qui testent Donkey Kong 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Ah, ils dorment pas les mecs. Et en plus, c'est des chinois. Lui c'est Henri. Salut. Ils aiment ça, ils sont payés pour le dire. Une petite astuce. Pas de problème mon gars. Regarde, là c'est le premier niveau, la cabane de Donkey. Et regarde là, il y a une flèche de banane et il faut la suivre. Alors Donkey Kong frappe le sol pour faire sortir le tonneau. Et puis il va le balancer sur le mur, le tonneau rebondit et il le chevauche. Ouais. C'est une bonne façon de bien commencer. Ouais. Avec ça, on écrase tout sur son chemin avec cette astuce. On rate toutes les options. C'est une et bonne tu astuce. Veux une banane? Ouais, c'est quand tu rentres le jeu pour la 50ème fois ça. C'est le niveau enneigé un peu plus loin dans le jeu. Putain, il va vite dans les niveaux. Hein. Donkey Kong peut maintenant se déplacer d'un tonneau à l'autre, tu vois? Si le mec il a recommencé 20 millions de fois. Alors, si tu contrôles parfaitement Donkey Kong, sans rien manquer, tu vas gagner des vies gratuites à la fin du niveau. Et puis Donkey peut prendre le ballon bleu maintenant. Ça va lui faire plein de vies supplémentaires. C'est dur? Ouais, c'est assez dur, t'as intérêt à être précis. Il y avait un secret en bas. Ok, on va aller en parler à Isaac. Voilà Isaac. Alors... Dis bonjour Isaac. Salut. Ah, ils ont mis un noir. Tu peux peut-être nous donner d'autres tuyaux? Ouais, ouais, aucun problème. Ah, ces mecs sont... Regardez, je suis noir. Alors ok. On a quoi ici? Un noir avec des bananes, c'est presque raciste. On va sauter sur le tuyau. Et utiliser ce retour un peu lent pour accéder à un niveau de bonus. Voilà. Tu sais, c'est seulement à des 100 niveaux de bonus. Ouais. Ah ouais. 100 niveaux de bonus? Mais c'est incroyable. Alors maintenant, il faut que tu devines dans quel tonneau se cache le médaillon. Ok, on va essayer. Vas-y, essaye. À droite, tout à fait à droite. Ah ouais, c'est bien. Facile, c'est moi, donc. Ouais, une deuxième astuce avec Didi. Ah, j'adore Didi. Didi? Ouais, Didi, il est très cool. Didi, il est très cool. Tu marches ici, tu sautes sur la tête de ce petit machin, tu attrapes la corde, meilleur des deux, et puis alors. Tu sautes juste sur la trappe et tu prends le TNT. Tu vas le lancer sur le baril d'essence enflammé, et tu sautes dans une autre zone de bonus. Maintenant, ce que tu fais dans cette zone, tu sautes du tonneau et t'attrapes le ballon. Voilà, on a des super astuces maintenant. Et c'est bien que vous soyez là, parce que ces astuces, on a des super astuces maintenant. Et rien qu'ici, on exclut. C'est cool, non? Milkshake banane, friture de banane verte, gratin de banane. Ah putain. La musique. La musique dans un jeu vidéo, c'est essentiel. Dans Donkey Kong Country, on a les meilleurs graphismes. On a aussi une bande musicale carrément exceptionnelle.
Ouais. Là, c'est un des premiers niveaux, c'est carrément facile. Et la musique est plutôt sympa. Et puis là, voilà la musique des niveaux aquatiques. Les contrastes de la bande sonore sont extrêmement riches comme ça. Ça y est, un filtre dégueulasse. Oh, le LSD, quoi. Cette musique est tellement super qu'on va en faire un CD. Tu sais, les musiques des jeux vidéo, ça sent déjà très bien au Japon depuis des années. Aux États-Unis et en Europe, on n'a pas encore pris l'habitude. Ce qu'on renvoie très bien, c'est à droite de Donkey Kong Country, on va faire un carton, tu vas voir. Ouais. Eh, tu te crois en boîte là? Ah ouais, attends, il est bleu. Il parle de gros schtroumpfs là. Je pense qu'ils ont pris des bananes après. Ils ont mangé, ils sont bleus et ils sont bleus. Ils sont foutus dans le cul. Ah ouais. Ouais, et puis il y a les monstres qui se transforment en rochers. Alors dès que la lumière s'allume, ils te foncent dessus, regarde. Hey, regarde. Ah, moi je les trouve vachement cool ceux-là. Ah ouais, ouais, c'est bien d'être aussi critique sur le projet, c'est de mettre des critiques. C'est vraiment un passage sympa. Il y a vraiment besoin de faire cette vidéo pour présenter le jeu. Et puis il y a Engarde, c'est le poisson que chevauche Donkey, et il transperce ses ennemis avec son rostre. Ah, c'est quoi du wagon dans la ville? Les astuces qu'ils ont donné se retrouvaient dans tous les magazines 6 mois après la sortie du jeu. Ils auraient pu mettre un truc super rare. C'est un peu les tests de youtubeurs d'aujourd'hui. Bon, on m'a payé pour dire ça. Que pensez-vous? Bon, voilà, même pas tester le jeu, là t'as rien. En fait, t'as eu ta NES au premier niveau, tu grappes le moto, regarde. Tu le vois, tu le veux. Ah ouais, tu t'en lasses même pas. Écoute, j'ai joué plus d'une centaine de fois et plus tu joues, plus t'as envie d'y rejouer. Et même quand t'as fini le jeu et que tu recommences, tu trouves encore des choses intéressantes. Ah, c'est une drogue alors. Non, c'est pas vrai. Une fois que t'as fini le jeu, t'as fini. C'est une drogue son jeu. Ouais, voilà, faut pas y jouer, c'est un jeu. Ah, ça a été des filtres dégueux. Un montage affreux. Pas sur CD. Pas sur 32 bits. Sur le bike adaptateur. Ça veut dire quoi? Sur 16 bits. Il y avait déjà les consoles 32 bits à la sortie de ça? Ouais, il y avait peut-être la PlayStation 1 qui était sortie en... Au Japon, peut-être. Ah non, mais il y a toujours la Mega Drive qui était même... Mega Drive, Neo Geo, qui était juste après, oui, puis la Super Famicom, la modèle après. Non, PC Engine, je sais plus s'il était 16 ou 32. Fin novembre. Bon bah, écoutez, je voulais l'acheter, mais fin novembre... Puis la Super Nintendo CD au Japon, elle était en quoi? En 16 ou en 32? De quoi? L'adaptation, enfin le modèle au-dessus en Super CD, en CD-ROM déjà. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, c'était. Mais le CD-ROM pour la Super NES, c'était en fait la PlayStation 1. Ils ont arrêté de le faire et. Oui, c'est le PS1, mais tant qu'ils avaient le truc, ils avaient fait des jeux. T'as ne pas manqué sur les écrans Nintendo. Ah. Parce qu'il y avait une Super Famicom CD à un moment. Oh! Au Japon. Super Metroid. Ah, 24 mégas, c'est-à-dire. Nintendo, ils mettaient pas des musiques comme ça, alors enfin, ils n'en mettent pas actuellement, pas de côté métal comme ça. Ouais, ça c'est fini. Sur Super Nintendo. Par contre, ils vont pas en passer en boucle, ils vont mettre la bande en masque 15 fois. Si je vais bien, c'est je vais mine. Hein. C'est pour remplir la cassette et. Ouais, mais ils auraient dû avoir d'autres jeux, ils n'avaient pas que Metroid à l'époque. 1,27€ la minute. Ah. Super Mario All-Stars. Mario 1, 2, 3. Le monde entier l'attendait. Oh. Super Mario On l'attendait pas du tout en fait. Bah si, moi j'avais fait les jeux, j'avais pas fait sur la NES à l'époque. Hein. Ouais, non, si, moi aussi. Mario 1 qui était génial. C'est à l'époque où elle pouvait être un peu sexy. Oula. Ah, ils se permettraient plus ça maintenant, Nintendo. Avec les images des vidéos des Beatles. Lost Level, c'était intéressant parce que c'était le vrai Mario 2. On a du Mario 2 qui est une arnaque qu'on a eu qui n'est même pas un Mario au départ. Oh, ça va, c'est pas le. Ouais, mais c'est pas un Mario. C'est pas terrible. Ils ont appelé ça Mario, mais ils ont mis des sprites de Mario. Il reste correct. Wario, le nouveau héros sur Game Boy dans Super Mario Land 3. Wario Land, crétin! Oh putain, mais ils traitent les gens en plus. Ah bah le Wario était méchant à l'époque. Ouais, il voulait être vulgaire en plus. Finalement, voir les vieilles pubs, c'est mieux que tout le reste. Voici le Super Game Boy pour votre Super Nintendo.
pour jouer à mon jeu à la télé. À tous les jeux Game Boy sur votre télé. Dans les boules, on va jouer quand même. Donc, Wario Land. Comme Kirby, Zelda et les 250 jeux Game Boy. Fais-toi, montre mon jeu en couleur. Avec Super Game Boy, jouez à tous les jeux Game Boy sur votre télécouleur. 36 K Nintendo, 1.27 la minute. Ah là, il va falloir ressortir le Nintel. J'ai failli en récupérer un, mais il le vendait trop cher. Oh putain, oui, alors là... Secret of Mana. Je sais pas si on est digne de voir cette bande-là, mais il va y avoir une petite armichette là. Une vraie cinématique. Ah putain. Oh, il a raté le héros. Ouais. In a new action adventure game for your Super NES comes an exciting tale, The Secret of Mana. From Square, maker of the world's greatest video games. Bon, par contre, la pub elle est pas vendeuse. Hein. C'est vrai, le bonhomme pourri. Ouh, là ça va être les ancêtres des jeux 3D, attention. Let's see, you were doing 140 in the 35 zone. So I swap 3 cars. Oh là, c'est horrible. Oh, c'était sur Super Nintendo, donc c'était un exploit. Le Star Fox était plus beau, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est à l'époque où Nintendo en plus s'encourageait à commettre des crimes au volant, à dépasser la vitesse. Ouais, ouais. J'aime bien ce petit rire. Grave. Nintendo Player a encore une petite surprise pour vous. On dirait Alain Chabat. Le multiplayer. Nintendo Player est une petite surprise. Mais c'est quoi cette surprise? Oh putain, non. Pas lui. Il joue à quoi là? C'est Fighter. Ah ouais, Killer Instinct. Ah oui, faut pas voir le jeu, il était pas sorti ouais, à l'époque. Ouais, il était pas sorti à ce moment-là. Le meilleur jeu de plastique de la Super NES. Ouais, ouais. Il y a largement au-dessus.